Audrey Lamy, nouvelle tête et nouveau look, un projet en famille, l'actrice rayonne. C'est un projet qui risque de combler leurs nombreux fans, ce mercredi, Audrey Lamy. Sa sœur aînée Alexandra et sa nièce Chloé Jouenet ont annoncé qu'elles seront toutes les trois à l'affiche d'une nouvelle série Prime Video. Killer Co-ST, signé Nicolas Lange et Thomas Mansuit. Une grande première pour les trois actrices, qui n'avaient encore jamais réussi à trouver un scénario qui les satisferait toutes les trois. Style Diva place Holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, Diva. A place Holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, Style. L'occasion aurait pourtant pu se présenter il y a quelques semaines, lorsqu'Alexandra Lamy avait pu réaliser son premier long métrage. Touché, diffusé sur TF1. L'ex de Jean Dujardin avait d'ailleurs fait appel à sa fille, dont la carrière est de plus en plus importante, mais pas à sa sœur. Pour une très bonne raison. Comme elle l'avait confié dans Télé 7 jours. J'y ai pensé, mais elle était enceinte de sa petite Alma. Née en août 2021, note de la rédaction. Et puis, je ne voulais pas appeler toute la famille. Mais j'adorerais faire tourner Audrey. D'ailleurs j'ai des idées. Des idées qui ont commencé à se réaliser apparemment. Style Diva place Holdé à 1 et à 2, 8 300px, minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8 990px, Diva. A place Holdé à 1 et à 2, 8 620px, minimum et 350px, Style. Il faut dire qu'Audrey Lamy s'était elle-même également montrée plutôt enthousiaste à l'idée de jouer avec sa sœur récemment. Elle qui ne l'a croisée que dans quelques courtes scènes au début de sa carrière, on adorerait. On adorerait, et ça viendra. Ça c'est sûr, c'est certain, ça viendra, on tournera ensemble. Quand je me vois là, je me dis que c'est tellement évident. On parlait de partenaire, vous voyez le rythme qu'elle a. Point. Virgule s'était-elle exclamée dans 50 pieds incides. C'est désormais chose faite pour l'occasion, la cadette des deux sœurs l'a mis à quelque peu. Point changé de look. Dans la bande-annonce de la série, on la voit ainsi apparaître avec une nouvelle coupe de cheveux. Loin de ses cheveux raides habituels. Coupés en une frange très courte, laissant presque apercevoir une coupe mulet à l'arrière, cette nouvelle coiffure change tout. Ce look rock'n'roll, qui met en valeur les cheveux fins comme les siens, lui va en revanche très bien et marque une véritable ambition d'Audrey Lamy de diversifier ses rôles et ses performances. Quitte à mettre son corps à contribution, et différencie complètement les deux sœurs, de part et d'autre de Chloé Jouenet. En robe de bal, Audrey et Alexandra Lamy ont un style totalement différent. Si la plus jeune s'affiche donc en roqueuse, l'aînée, avec son jean, sa chemise et sa veste, est bien plus classique. Mais c'est efficace et on attend la série avec impatience.